pu mettre ces satanées fiches. Alors attends, j'étais là, voilà. J'étais ici, et puis je suis allé à côté. Elles devraient être par ici, mais où sont-elles, ces fiches? Elles sont dans le premier tiroir à droite. Dans le premier tiroir à droite. Merci. Mais qui a dit ça? C'est moi. D'accord, hein, encore un de tes gadgets idiots, Corbier. C'est très drôle, mais cette fois-ci, j'ai vraiment pas le temps. Excuse-moi. Hein. Patrick, je détecte un corps étranger dans votre cerveau. C'est une sorte de microprocesseur qui émet des ondes radio et qui en reçoit. Patrick, je détecte un très grand danger. Oui, d'accord, Corbier. C'est très au point ton truc. Mais écoute, si t'es en train de rigoler à côté de ton émetteur-récepteur, tu préviens Dorothée que j'ai retrouvé mes fiches et que j'arrive, d'accord? Patrick, ceci n'est pas une plaisanterie. Je répète, ceci n'est pas une plaisanterie. Je détecte un très grand danger. Je répète, je détecte un très grand danger. Et moi, je détecte une très grande blague. À tout de suite, Corbier. Bon, allez, tout le monde en place pour la répétition, là. Ouais. Eh oui, Patrick. Il est allé chercher ses fiches, t'inquiète pas, il va pas tarder. Non, ils sont français, pas possible, c'est pas possible, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là, enfin. Ah, tiens, Corbier, tu prends la place de Patrick. Je veux bien, Clovis, mais qu'est-ce qu'il va prendre ma place? Eh ben, ça, qui tu prends la place de Corbier, c'est pas compliqué, non? Bah, ok, Clovis, mais qu'est-ce qu'il va ajouter pour moi? Votre petit qu'ils embrassent, je suis là. Mais où, Clovis? Mais tu te mets à côté d'Ariane, c'est simple. Non, attends. Bouge un peu, avance un peu sur sa droite. Bon, c'est bien. Alors, on fait dernière répète, hein, attention. Corbier, super ton truc, non? Très, très réussi. Je te remercie. Quel truc? Tu sais bien, quoi. Chut. Va se faire taper sur les doigts. Dis-toi, Patrick. Tout est prêt, Pandora 3? Oui, madame. Tout a été vérifié. Tout fonctionne parfaitement. Tu connais l'importance de notre mission, Pandora 3? De sa réussite dépend la prise de contrôle de la Terre, la réduction en esclavage de toute l'espèce humaine. Tous ces petits morveux adorent cette Dorothée. Mais c'est moi qu'ils adoreront quand je me serai substitué à elle. Et je serai enfin une race d'esclaves sans même qu'ils s'en aperçoivent pour servir notre peuple quand le grand vaisseau du mal vaincra. Le mal vaincra, madame. Le mal vaincra, Pandora 3. Envoyez-moi un gros plan de cette Dorothée et vérifiez la conformité de nos deux visages. Bien, madame, vos plans Dorothée sur détecteur numéro 3. Vérification de conformité en cours. 4, 3, 2, 1, 0. Conformité absolue entre vos deux visages. Conformation des deux voix. Conformité en cours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Conformité absolue entre vos deux voix. Vérification des microcontrôleurs sur l'équipe. Bras droit, levé. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, j'ai eu brusquement envie de lever le bras droit. C'est drôle, moi aussi. Hein? Moi aussi. Voilà. Bon. Il y a des jours comme ça. Allez, on enchaîne. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Allô, ici le bar du canal. Bonjour monsieur, je suis bien au bar du canal. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais je crois que votre bar n'est pas loin de la péniche dans laquelle tournent Dorothée et son équipe. Ah, la petite Dorothée! C'est pour ça qu'il y a la télévision. Ah oui, pas vraiment loin, enfin... Il y a quand même 1,5 km. Monsieur, j'ai absolument besoin de parler à Dorothée. C'est extrêmement urgent. Pouvez-vous avoir la gentillesse de lui demander de venir au téléphone, s'il vous plaît? Monsieur, c'est que j'ai pas vraiment le temps, hein. Je suis tout seul ici. Ma femme est partie faire les courses. Je peux pas fermer le bar. Monsieur, je suis vraiment obligé d'insister. Il faut que je parle à Dorothée. C'est une question de vie ou de mort. Dites-lui que c'est de la part d'amis. Ah bon, c'est si grave que ça? Bon, je pars tout de suite. De la part de monsieur Ami, hein, c'est ça? Bon, d'accord. Ouf. Tu vas bien? Ouais. Tu t'appelles comment? Caroline. Dis-moi Caroline, tu t'es levée drôlement tôt toi ce matin. Hein? Bah toi aussi tu t'es levée tôt. Ouais. Moi aussi je me suis levée tôt parce que fallait que je te voie. Tu veux voir Jackie? Moi? Jackie? Oui. Oh Jackie! Ça, ouais. Je te présente Caroline, une amie de très longue date. Bonjour Jackie. Ouais, bonjour, ça va? Ouais. Dis Dorothée, tu me chantes une chanson? Si tu
veux, mais tout à l'heure, tu veux bien. Allez, moi aussi, hein, je vais te chanter une chanson. Mais toi, je m'en fous. Ah bon? H-10 minutes. Dernier préparatif. Avez-vous terminé l'analyse exacte du costume que porte Dorothée aujourd'hui? Oui, madame. La synthèse des vêtements est presque terminée. Le moindre détail a été respecté. Sortie vêtements immédiate. Bien. J'ai plus qu'à m'habiller. Madame, tout est prêt pour le déclenchement de l'opération substitution. H-5 minutes. J'ai réussi. J'ai trouvé la fréquence des caméras de tournage. Je vais pouvoir voir ce qui se passe. Tiens, je me mets à parler tout seul comme les humains. Oh, va falloir que je vérifie mes circuits logiques. Vous allez où, monsieur? Vous allez où? C'est bien ici que tourne Mademoiselle Dorothée. Oui, ouais. Mais pas possible d'assister au tournage, hein, pour l'instant. Mais non, c'est pas pour ça. Je suis Monsieur Léo, le patron du bar du canal, juste à côté. J'ai une personne au téléphone qui voudrait parler à Dorothée. Alors je suis venu la chercher. Et si vous la voyez, dites-lui qu'on la demande et que c'est urgent. Impossible de déranger Dorothée pour le moment. Ouais. Alors moi j'ai fait 1,5 km pour prévenir qu'il y avait quelqu'un au téléphone qui demandait Dorothée. Et... c'est pas possible. Je vous dis que c'est impossible. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, Clovis, c'est le patron du... Il faut écouter, il y a un coup de fil urgent pour Dorothée. Arrêtez. De la part de qui? Un certain... ami. Un ami. Oui, c'est ça, un ami. Eh ben, vous lui direz qu'il rappelle vers midi, parce que pour l'instant, c'est impossible de la déranger. Ou alors, je ne sais pas, qu'il laisse son numéro, cet ami. D'accord, monsieur. J'ai fait 1,5 km pour prévenir Dorothée qu'il y avait quelqu'un au téléphone et que c'était urgent. Mais si ça peut attendre... Je veux dire au monsieur qui rappelle. Eh ben c'est hein? Ça, c'est ça. Au revoir monsieur, merci d'être venu. Au revoir. Oh. Et dis donc toi, dis donc, je veux que les comédiens arrivent sur le tournage de Texte Sud, c'est simple. Et bien ensuite, on se demande des sandwichs sur le tournage, je veux pas deux sandwichs. Je veux des sandwichs pour tout le monde, même pour moi, compris? H-1 minute. Tout est en place, Pandora 3? Tout est en place, madame. Vous connaissez toutes vos instructions? Toutes les instructions sont enregistrées, madame. Bien. Mise en place du plan terminal. Tous à vos postes. Je vais sur les lieux. Krazel, Krazel, à vos postes. À vous de jouer. Toi, Corbier, t'es un méchant. Moi? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu dis que Dorothée, elle a un grand nez. C'est pas vrai, Dorothée, elle a un tout petit nez. C'est toi qui as un nez énorme. Bah, tu dois avoir raison. Tu viens me faire un gros bisou quand même? Allez, viens. Oh, ça pique. Opération substitution. Corbier poussé. Paralysie de tout le monde. Caroline, n'aie pas peur, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mais bougez un peu, je suis coincé, il faut aider Dorothée dans le type. Désolé, monsieur, mais j'ai vu le réalisateur. Il m'a dit que ça n'était pas possible de déranger Mademoiselle Dorothée. Et qu'il fallait que vous la rappeliez vers midi ou que vous lui laissiez votre numéro de téléphone. Mais ce n'est pas possible, monsieur. Il faut absolument que je parle à Dorothée. Je vous ai dit que c'était vital. Écoutez, monsieur, moi je suis bien gentil. Vous allez jusqu'à là-bas. J'ai fait 1,5 km. J'ai laissé le message. On m'a dit que ça n'était pas possible. Donc je ne peux rien faire de plus. Au revoir, monsieur. Dorothée est en danger, je ne peux pas la prévenir.